Hello, Africa. I love Turbovision. Watch it every Saturday at 4 p.m. with Venice. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue encore une fois à bord de votre émission de divertissement Tivision International. Reçois pour vous aujourd'hui Annick Ballet, femme leader, directrice de Macha TV. Alors, ça va, ça se passe bien? Ça va bien, merci beaucoup de nous recevoir sur Tivision International. Vous êtes à la deuxième session, je vois. Oui, bien sûr, la deuxième saison. Merci. Alors, ça se passe bien, votre parcours? Ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci, on se défend. Ça va. Dites-nous comment se portent les médias africains au niveau de l'Afrique et du Bénin, les médias, la presse en général, selon vous? C'est vrai que de l'année où moi je suis rentrée, que je suis entrée vraiment dans le monde des médias après la formation et ce jour, il y a eu un véritable bond. On a beaucoup d'organes de presse qui se sont installés sur la place. Il y a beaucoup sur le plan international aussi qui se développent. Mais le gros souci des médias, je vais peut-être faire une forme de dissection. Quand je prends la presse écrite, ça évolue, c'est vrai qu'ils ont des bouillons, les gens ne lisent plus vraiment. Et peut-être que le contenu ne sied pas au lecteur et qu'il va peut-être revoir les choses. Ensuite, je prends l'audiovisuel qui fait un véritable bond. Mais le handicap aujourd'hui pour les médias privés, par exemple, c'est le contenu et surtout le financement du contenu. Je crois que le même problème se pose à la presse publique, mais avec une petite différence qu'ils obtiennent la subvention de l'État, mais les privés n'ont pas de subvention et c'est difficile d'acquérir des programmes. Si vous n'arrivez pas à acquérir des programmes, ça veut dire que vous devez produire. Et produire une émission, vous êtes un exemple, vous savez ce que ça veut dire. Ah, ce n'est pas facile du tout. Mais ce n'est pas facile du tout. Vous étiez attaché de presse et tout à l'époque, les finances, tout à fait. La défense. Ça se passait comment? Écoutez, j'ai fait une belle expérience dans ce domaine pendant cette période du ministère du Travail avec Ossène Kouboat, en passant par le ministère des Finances, la Défense avec Florentin Feliro, le premier ministre qui a démissionné au Bénin et qui, jusqu'à présent, reste quand même un exemple. Feu Florentin Feliro, ministre de la Défense. Ensuite, le ministre des Finances, Moïse Mensah, quand il était au ministère des Finances, il est parti. Son successeur m'a maintenu, Abdoulaye Bio Tchané, où nous avons fait un bon moment ensemble et c'était une période assez importante. Vous avez côtoyé beaucoup de présidents, des chefs d'État et tout ça à l'époque, Kérékou est parti, Soglo est revenu, revenus, la transition et tout, et ça. Tout, Kérékou 1, Kérékou 2, après Soglo et tout. Soglo oui. Et tout. Lequel vous a marqué? Indubitablement, Kérékou a marqué tout le monde. Kérékou a marqué parce que c'est une personnalité assez versatile. Vous avez du mal à la voir, vous avez du mal à le sonder. Mais c'est le monsieur qui vous surprend, pas ses actes, pas ses propos. Et ce qui nous a peut-être marqué, c'était au début de l'expérience démocratique, où en pleine conférence, pendant la présidentielle, une nuit, on a voulu faire le point, et nous avons vu Kérékou débarquer, parce qu'il a été caillassé à Kové, et il est venu pour appeler les gens à l'apaisement et au calme. Et on a découvert un autre monsieur, autre que le président que nous avons l'habitude de voir, on a échangé avec lui, toute la rédaction à l'ORTB. En dehors de Kérékou, j'avoue que Nicéphore Soglo nous aura marqué parce qu'il a apporté une gouvernance autre que ce que nous avons l'habitude de voir. L'autre expérience, c'était la première fois où nous interviewons un président au Bénin. Donc j'ai eu cette chance. C'était qui? C'était Boni Yayi. Ça fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes utilisée internationale, vue dans le monde entier. Annick Ballet, femme engagée, femme leader, journaliste. Vous êtes directrice de Maïcha TV. Comment ça se passe là-bas? Maïcha, c'est une expérience exceptionnelle. D'ailleurs, c'est quelle fréquence? Parce qu'on est suivi, c'est quelle fréquence, Maïcha? Maïcha était sur Canal. Nous avons migré parce que le groupe Africable auquel appartient... C'est très important. Maïcha, ouais, a désormais son téléport et met aussi des décodeurs. Nous sommes sur le décodeur TVT Box TVSAT Africa. Quand vous prenez ce décodeur, je ne fais pas de la pub, mais c'est important de le savoir. Quand vous prenez ce décodeur, vous avez presque toutes les chaînes africaines et bien d'autres. On ne vous envoie pas la petite enveloppe pour vous dire votre abonnement vient à échéance. Vous avez RTI, vous avez toutes les chaînes. Nous, on ne vous demande pas de renouveler votre abonnement. Quand vous prenez ce décodeur, c'est ad vitam. Vous n'avez pas de réabonnement à faire. En Afrique? Mais on découvre en Afrique. On nous reçoit en Angola, au Cameroun, au Gabon, un peu partout, en Côte d'Ivoire. Formidable. Donc,
il reste le Bénin. Certains l'ont au Bénin. Ils ne sont pas encore nombreux parce qu'on n'a pas encore fait la stratégie marketing en direction du Bénin. Le travail est en cours. Annie Ballet, vous êtes sur Tuvision International. On est vu dans le monde entier aussi, bientôt peut-être avec vous. Alors, dites-nous un peu vos débuts en tant que journaliste, vos débuts. C'est en 91, c'est ça? Ben, tout à fait. Ben, je vois que vous avez potassé. C'est en 91, je suis venue de l'école jeune professionnelle voulant faire ses preuves. Vous savez, en ce moment-là, on a le sang chaud. Et je suis venue à l'ERTB après le stage. On m'a fait un contrat. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ma passion m'a amenée dans des enquêtes. J'étais tout le temps sur le terrain avec un monsieur, Feu Dakoudi. Il n'est plus là. C'est le bonhomme qui est capable, dès que vous l'appelez, parce qu'il y a un sujet, il est capable de vous mettre sur sa Vespa ou sur une moto. Et je grimpais, on allait de commissariat en commissariat. C'était quoi votre modèle à l'époque, votre modèle? J'avais comme modèle une dame. On avait qui à la télé? Claire Chazal, il y avait Christine Ockrent, il y avait l'épouse de DSK qui faisait l'émission 7 sur 7. Et puis il y avait un homme. Vous étiez Henri Sagnier. C'était ouais, Sagnier, ça. Ouais. Henri Sagnier, ça. C'était un grand homme. C'était lui. C'était mon modèle, au fait. Les femmes ont l'habitude de citer des femmes, mais moi, mon modèle, c'était Henri Sagnier, un monsieur que j'observais. Je ratais aucune de ses émissions. Et je me suis forgé aussi mon âme. Votre dernier journal, c'était quand? Le dernier journal. Mon dernier 20h. C'était comment? Vous étiez averti, comme PPDA et tout? On vous a averti? J'ai averti que je veux quitter le plateau parce que ce qui se passait ne m'enchantait plus. Vous êtes en plein journal, on vous amène des éléments pour vous dire de faire ceci. Il faut passer cet élément-là parce que c'est important. Le chef de l'État est là, il regarde. J'ai dit, on a un code, on a des normes. Il faut respecter les normes, on ne peut pas. J'étais en plein journal, on me dit de diffuser une interview d'un des courtisans de l'ancien régime, parce qu'il faut obligatoirement que ça passe. Je dis, nous n'avons pas diffusé le reportage ou le sujet qui amène à ce droit de réponse, donc je n'ai pas l'obligation de le faire. À plus forte raison, j'étais rédacteur. Qu'est-ce que vous avez senti ce jour? Je me suis senti mal à l'aise, mal dans ma peau de professionnel et mal dans ma peau d'un individu simple qu'on perturbe ou de simple professionnel sur le plateau qui voudrait bien faire son travail et qu'on perturbe parce qu'on voudrait faire plaisir. Je dis, on ne rend aucun service à ces messieurs-là. Je dis, je ne diffuse pas. Et pendant que je lance un autre élément, on me balance cet élément-là parce qu'il faut obligatoirement qu'on entende ce que ce monsieur débitait. Quand ils ont fini, j'ai dit, moi, j'en ai fini. Alors revenons maintenant à vos fonctions actuelles. Vous êtes directrice de Maïcha TV. Comment ça se passe? C'est quel programme? Parle-nous un peu de cette télé. Maïcha TV, c'est une chaîne thématique. Vous savez, quand vous prenez les chaînes du monde, même sur place, au plan national, c'est rare de voir des programmes destinés aux femmes. Et pourtant, on attend que le 8 mars pour faire un battage, pour aller découvrir les femmes. Mais pourtant, les femmes ont d'énormes problèmes. Et c'est un potentiel que les chaînes de télévision devaient exploiter. Vous savez, je prends par exemple cette année-là. Dans le monde, vous savez combien de jeunes filles ont déjà, petites filles je dis même, qui ont déjà été données en mariage. Vous savez le nombre de jeunes scolaires qui ont attrapé une grossesse et leur avenir complètement hypothéqué. Vous passez 30 jours, 30 ans, je dis 30 jours c'est peu, vous passez 30 ans avec un monsieur qui se lève le matin. Et parce qu'en deux échanges, il se sent mal, il prend un marteau et il fracasse le crâne à cette dame. Ou le monsieur qui s'énerve et qui prend de l'eau chaude et jette à son épouse. Ce sont des choses que nous, à Maïcha TV, on traite. Ce sont des choses que nous traitons. Ce sont des choses que nous vivons, ce sont des choses que nous voyons. Alors, autant nous posons les problèmes des femmes, c'est problématique, mais autant nous mettons à l'antenne, les femmes qui ont réussi. La dame qui est partie, c'est une dame qu'on a rencontrée à Abidjan, par exemple, qui a commencé par vendre du hacheke avec 10 000 francs. Aujourd'hui, elle a des stands, des maquis de hacheke dans tout Abidjan et dans tout la Côte d'Ivoire. C'est l'approche genre. Tout à fait. C'est l'approche genre. Des dames qui sont au champ et qui cultivent et qui livrent à des pays entiers, des vivriers, toutes sortes de produits. J'ai dit, cette dame-là,
Il faut leur donner la chance de se faire connaître. Annick Balé, vous êtes femme engagée, femme leader du Bénin, pourquoi pas d'Afrique et tout. Alors, votre parcours, pourquoi Maïcha TV, pourquoi vous êtes partie très tôt au Mali? C'est vrai que, après les problèmes de l'ORTB, les divergences de vues, de gestion, on m'avait fait appel. Le projet existait où je prenais mes congés juste pour aller échanger avec le promoteur. Et quand les problèmes ont commencé ici, on a dit, bon, écoute, si ça te dit, puisque tu as commencé, parce que j'étais au début de la création du rêve jusqu'au programme. Oui, tout ça là. Tout ça, donc j'y allais pour concevoir la grille des programmes et tout le reste, la formation des agents. Et puis après, bon, quand les problèmes ont commencé, il me dit, ben, écoute, du moment où on n'a pas encore commencé, on a déjà deux demandes, envoie ta demande et puis on va voir. Donc j'ai été retenue. Je dis, ben, du moment où on me donne la chasse ici, je suis harcelée et que je ne peux pas faire mon travail, à la limite des menaces et autres, il vaut mieux m'éclipser. Donc c'est comme ça que je suis partie. C'est un autre challenge. Et je me dis, pourquoi pas aller relever ce défi. Et l'intégration, c'était comment au départ? Non, il faut avouer que c'était pas du tout difficile. Les Maliens sont exceptionnels. Ils sont ouverts, ils sont dispo, ils vous accueillent. Et puis avec les agents, nous avons fini par devenir une sorte de famille. J'ai constaté. Je suis devenue leur mamouche. Elles m'ont rendue grand-mère parce que beaucoup ont fait des enfants. Et puis c'était un mode de gestion qui alliait et le bâton et la carotte. Donc il fallait former, il fallait donner aux filles de faire le travail. Et comme elles me prenaient pour exemple, parce qu'elles me voyaient aussi sur la chaîne Africable, donc, elles étaient enchantées de voir enfin cette personne qu'elles admiraient à leur côté et les former. L'historique de femmes leaders du Bénin à côté des dames comme Margaret Kérékou, Bédo et tout ça, non, c'est comment? C'est vrai que le militantisme féminin au Bénin ne date pas d'aujourd'hui. Je sais, votre maman à l'époque... Elisabeth et tout le reste, Martine et tout le reste. Ouais. Donc, ce sont des dames qui se battaient pour que les femmes aient un droit de cité. En dehors de ce qui s'est passé pendant la Révolution, vous constatez avec moi... Vous faites de la politique ou pas? Non, pas vraiment. En tant que journaliste, on fait la politique autrement. Pour avoir vécu ce que ma mère a vécu... Vous êtes de la gauche ou de la droite? Ben écoutez, je suis moi, et ça s'arrête là, professionnel, journaliste, et la chance de dire ce que les autres n'osent pas dire. Ça, c'est une chance que nous avons, de pouvoir dire ce que les autres ne peuvent pas dire, et de porter au devant du monde ce que souffrent certaines personnes ou les manquements que l'on relève dans la gestion ou la gouvernance de certains. Cette chance-là, c'est rare. Et quand on m'a dit, écoute, tu fais partie de cette dame que l'on coopte en dehors des politiques, il y a des femmes de la société civile. Bien sûr. Donc, qui font partie de ce groupe de femmes leaders. Mais au-delà, c'est un peu pour constituer un genre de compendium. Parce que quand les hommes politiques se lèvent et disent... Nous n'avons pas trouvé de femmes à nommer. Nous n'avons pas trouvé de femmes qui fassent ci. Nous ne savons pas ce que souffrent les femmes. C'est une façon de se regrouper, de faire un genre d'état des lieux de la situation des femmes et de chaque fois le dire, le porter à la connaissance des politiques pour qu'on ne dise plus « Nous ne savons pas ce qui sont les femmes, nous ne savons pas ce que vivent les femmes, nous ne savons pas qui sont les femmes à nommer, on n'a pas trouvé de femmes. » Non. À partir de ce mouvement, par exemple, on peut déboucher sur l'élaboration d'un compendium. Le compendium fait un peu le point de toutes les compétences des femmes dans un pays. La Côte d'Ivoire en dispose, le Rwanda en a, et vous avez aujourd'hui l'exemple du Rwanda, où ce sont les femmes qui pratiquement dirigent au Rwanda. À l'Assemblée, elles sont majoritaires. En île Maurice, elles sont majoritaires. Au Sénégal, elles sont à la limite majoritaires au Parlement. Et dans le gouvernement, un peu partout. Donc, on souhaite aussi que cela arrive. Si vous n'étiez pas journaliste, Annick Balé. J'aimerais bien porter la robe noire, être avocate. J'adore ce métier. Défendre les enfants. Le métier de l'oratoire. Annick Balé, merci encore d'être avec nous. Vous étiez à Montréal en 2014, conférence des médias francophones. Dites-nous, c'était quoi les thèmes abordés? La francophonie voulait préparer les médias pour l'avènement
du numérique, le basculement de l'analogique au numérique et voir un peu comment accompagner les organes de presse. Il y avait privés. Des sommités, hein, Constant Emalé, que je connais très bien. Ben, ce sont des Africains qui ont évolué dans le domaine et voir peut-être partager leur expérience, ceux qui sont en avance, comment est-ce qu'on se prépare. Et que... Le groupe Africable avait déjà franchi le pas. Donc, nous, on était déjà numérique dès le départ. Ensuite, le téléport était pratiquement déjà en chantier. Donc, c'est une expérience que les gens voulaient qu'on partage et tout. Et vous n'y aurez pas. Donc, quand on parle de ces genres de rencontres, ils veulent toujours mettre l'accent sur la présence féminine, le genre. Donc, vu l'expérience que nous faisons à Maïcha, ils ont voulu qu'on partage et qu'on en profite pour vivre d'autres réalités dans ce domaine-là. Donc, on nous avait invité, le président directeur général du groupe Africable et moi-même de Maïcha Télévision pour participer à c'était, cette... C'était bien. C'était intéressant. Alors, Annick Balé, vous avez parfois dessus le cinéma africain? Oui. Parce que les femmes jouent beaucoup de rôles hein, dans ces films-là. Tout à fait. Quand on parle de films africains, aujourd'hui, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria surtout. Le Ghana aussi. Le Ghana aussi. Nous, par exemple, nous avons fait l'option, c'est tous les soirs à 21h30, vous avez un film africain qui passe sur Maïcha. Sur Maïcha TV. Tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. À partir de 21h. Du lundi au vendredi, vous avez un film africain. Africain. Vous écoutez de la musique parfois, du cinéma et tout ça? Ben oui, je suis fan de musique. Vous dansez et de parfois cinéma. J'adore la salsa. La salsa, ouais. Dites-nous, est-ce que ça évolue la musique béninoise, selon vous, et africaine, béninoise surtout, les femmes? La musique béninoise évolue. Aujourd'hui, je découvre certains artistes comme... Sassimé, Fanico et d'autres. Je tombe sur ces musiques, parfois je demande si c'est vraiment des Béninois. Et ce qui nous marque, et peut-être je vais en profiter pour attirer l'attention des producteurs ou des réalisateurs de ces clips, trouver de beaux décors pour les clips, parce que c'est aussi une façon de faire la promotion de nos pays. Vous voyez des clips qui sont tournés dans des tas d'immondices, ça ne valorise pas. Si la qualité n'est pas à la hauteur, on ne peut pas diffuser non plus. Donc, ce qui fait que certains artistes ne se voient pas sur nos antennes et se plaignent. Ils en voient, mais on ne peut pas diffuser parce que la qualité n'est pas à la hauteur de ce que nous visons. Donc, il faut revoir. Mais des gens comme Fanico, Sessimé, Zénab, qui fait un effort, franchement, on bravo, est gâtés. Bravo. Mais le vieux Sabouran, je l'appelle le vieux Sabouran, il reste toujours notre artiste de cœur. Le vieux. Alors dites-nous, perspective et projet Maïcha TV, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'Afrique à mis à court terme? Maïcha continue, c'est long une chaîne terme, ouais. Panafricaine. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de couvrir presque le monde, puisque nous recevons des appels des États-Unis, de l'Australie, du Canada, un peu partout. On nous a appelés de Singapour, on était étonnés qu'on nous reçoive de l'autre côté. Donc, la première réaction, c'est comment nous recevez-vous pour qu'on sache? Parce que nous-mêmes, nous ignorons qu'on est reçus en France et partout. Mais nous voulons couvrir l'intégralité de l'Afrique d'abord. C'est important. Et c'est un peu ce que nous aide à faire aujourd'hui le décodeur qu'il a mis en place, le TV Box. Votre mot de fin, vous êtes à la fin de cette émission. Ben je suis très heureuse de participer ou de faire l'objet de cette émission. J'ai regardé une ou deux fois Tube Vision parce que le décalage horaire ne me permettait pas. Mais j'ai eu la chance de recevoir certaines émissions et j'ai suivi. J'avoue que c'est une chance que vous donnez aux artistes de faire leur promotion et surtout de vendre la culture. Beaucoup de courage, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et que nous verrons comment donner plus de visibilité à l'émission parce que c'est bon de le faire sur place, mais quand c'est de cette facture, de très bonne facture, il faut pouvoir le mettre à la disposition du monde et aujourd'hui, il n'y a que les satellites et les chaînes qui émettent sur le plan international qui peuvent donner cette opportunité. Je vous souhaite bon courage et bon vent et peut-être que pourquoi pas, on se fera un partenariat. Merci infiniment. Sur cette émission, nous avons une rubrique qui s'appelle le Top 10 Playlist, c'est-à-dire le classement des clips africains. Okay. On bouge tout un peu, on danse un peu. On va se quitter avec ces clips-là. On va suivre ensemble Enchanté. Le Top 10 Merci, Playlist. Ce fut un plaisir. C'est parti. Top 10 Playlist YouTube Vision. C'est parti.